มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือล่วงเอามึงไปขั่วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือล่วงเอามึงไปขั่วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วBonjour, ici c'est votre frère Sylvestre Massala, Mr. Honestidade. Meus irmãos em Cristo Jesus, hoje que eu estou com meu colega, ele que é Odré, é um colega que estamos juntos aqui na Universidade de Grenoble e vamos conversar um pouco para saber como é que é o nosso empenho, o dele também, neste ano de 2021-2022, na Universidade de Grenoble. Bonjour, Odré. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oh, ça va bien, merci. Ok, Odré, ele que vai nos falar da experiência nestes três meses que estamos aqui nessa licença de Ciência Humana Aplicada, que é Ciências Humanas Aplicada, e vamos falar um pouco com Odré. Odré, devia te apresentar lá na maison de Pudur, de Odré. Odré, quoi? Alors bonjour, je m'appelle Odré Kikuni Boalita, je suis congolais de Kinshasa. Ah oui? Voilà, j'ai 19 ans, bientôt 20, oui. Ça s'approche d'ici là 2 mois, d'ici là 4 mois en février. Et puis voilà, j'ai des frères et sœurs, je suis l'aîné de ma famille. Ah ouais?
Et je suis étudiant en ce moment à Grenoble, comme l'a dit Sylvestre, d'accord. Et voilà. Ok, Audrey, ele disse que tem 19 anos, está aqui em Grenoble a estudar Ciências Humanas Aplicadas e estamos aqui a conversar um pouco. Audrey, cette licence, tu fais une licence de Sciences Humaines Appliquées, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis dans les Sciences Humaines Appliquées, je suis en première année licence en art et archéologie. Pour ma part, c'est pour un an. Après, j'irai en études d'architecture. Où je ferai aussi 5 ans à peu près. C'est 5 ans d'études pour au moins avoir le diplôme en tant qu'architecte. Et après, peut-être, je verrai si j'ai envie d'avancer. Okay. C'est ça que tu disais, tu vas finir les 3 ans d'arche, sciences humaines appliquées. Et après, tu vas faire quoi? Archéologie, c'est ça? Non, architecture. Architecture, ah ouais. Du coup, justement, c'est ça. Parce que moi, différemment, c'est que je ne vais pas faire les 3 ans de sciences humaines. Ah, tu ne vas pas faire? Ah non. Je vais faire juste un an. Un an? Un an, ouais. Pour acquérir les savoirs, justement, ouais. Artistiques et tout ça. Oui. Et après, en architecture. Comme ça pourra m'aider dans ma lettre de motivation, mon CV, mon dossier scolaire. Pour après être facilement pris dans les écoles d'architecture. Ok, Audrey t'a dit qu'elle ne va pas compléter les 3 ans de sciences humaines appliquées, elle va faire le premier an et après elle va transiter pour l'archéologie. C'est archéologie, c'est ça? Non, architecture. Architecture. Quoi? Architecture. Je parle pas bien là. Non. Bon, tu disais que tu vas être architecte, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voudrais devenir architecte dans le futur. Ok. Elle t'a dit que tu vas être architecte no futuro. Então, isso é bom. Audrey, donc quand tu vas finir ce parcours universitaire, architecture, c'est 5 ans, c'est ça? Oui, 5 ans minimum. En gros, tu as 3 ans, ouais. Tu as 2 ans de master, je crois, ouais. Et après tes 2 ans de master, là, on peut au moins te donner un diplôme. Sinon, avant ça, on peut pas, tu peux faire autre chose, sinon on peut pas t'appeler architecte, parce qu'il te faut un diplôme qui dit que tu es architecte. Et après les 2 ans et que tu aies ton diplôme, tu peux faire un an où c'est une formation qui rajoute pour que tu puisses travailler à ton nom, ça veut dire avoir ton propre cabinet plutôt que de travailler dans une entreprise. Et du coup, au total, ça te ferait 6 ans dans ce cas-là, au cas où tu veux faire comme ça. 6 ans? Ouais, du coup, ça ferait 6 ans. Bah, 6 ans, à peu, c'est comme un peu en sciences humaines, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Mais voilà, ça fait 6 ans. Donc moi, au total, je ferais 6 ans. Et après, si j'ai envie de devenir doctorant, au cas où j'ai envie de me spécialiser quelque part ou tout ça, ou enseigner dans des... dans des universités ou des trucs comme ça, là je ferai encore peut-être 2 ans de plus, 3 ans de plus d'études. Mais ça encore, c'est à voir. Ok, Audrey tem muito parcours para seguir, é um parcurso grande para seguir. Ele disse que vai ter que fazer, total tem que ser 6 anos, depois vai ter um gabinete ou vai começar a dar aulas também. E para um parcours muito longo e esperamos que Audrey tenha êxito no seu parcours universitário. Audrey, quelle est la difficulté que tu trouves ici dans cet parcours? Alors, en sciences humaines, là, en ce moment, la seule difficulté, c'est que, en fait, on a des CM, des cours magistraux, oui. Voilà, c'est ça. Et chaque prof, on va dire, dans la manière d'enseigner, en fait. Chacun ses méthodes. Oui, voilà, c'est ça. Chacun ses méthodes. Et c'est les CM qui posent plus problème parce que, en fait, ce sont des cours où le prof, il parle. C'est pas un cours où, différemment du lycée ou des autres cours, tu peux lever la main, mais il va pas aller loin dans les questions, en fait. Lui, c'est donner son cours et après finir, et ainsi de suite. Du coup, ça fait que des fois, tu as une question sur le moment, ouais. Tu peux pas le poser sur le moment. Si tu le notes pas, tu peux l'oublier. Ouais. Et en plus, des fois, j'ai genre... Pour les examens, par exemple, qui vont venir, oui. ça m'inquiète un peu, tu vois, parce que Et tu as le TD, non? Tu as le TD, parce que tu as le CM, après tu as le TD. Oui, c'est ça, il y a le TD, encore heureusement qu'il y a le TD, parce que voilà, mais après, des fois, c'est les TD, déjà, on a aussi des propres examens pour le TD. Ouais. Voilà, après, sinon, c'est au fait, comment réviser les CM. Ouais. Parce que dans le TD, il y a le prof qui va expliquer quelque chose, mais avec l'explication que le prof a donnée en CM, tu vois, ils ont chacun leur manière de faire, du coup ça fait que des fois, voilà, par exemple j'ai un CM où
son cours, soit je dors, sincèrement, soit je dors, soit j'écoute, mais je ne comprends pas totalement en fait. Je comprends que la moitié et du coup, ça oblige que quand on rentre chez soi, à la maison, ouais, de retravailler les cours. C'est ça. Ok, Audrey, fais-moi une pregunta d'Audrey, pour perguntei a ele que, qual é a dificuldade que ele, que, nesse momento que ele está a encontrar nas aulas. Ele disse que na aula, que é o CM, que é a aula magistral, ele vê muita dificuldade porque os professores têm vários tipos de método e falam e quando você tem uma pergunta para fazer, ele, pá, às vezes esquece para fazer, porque é muita gente. E pronto, e, eu penso que é isso que ele explicou, mas em suma, ele disse que tem também a aula de TD, que é o trabalho dirigido, que talvez vá começar a suprir, né? Mas é difícil porque quando não apanhas nada no CM e no TD fica mais um pouco complicado. Mas contudo, ele disse que está tudo bem e ele vai esforçar-se para dar o seu máximo. Embora que ele diz que na aula de CM, sabe, às vezes ele dorme porque o professor fala, mas pronto, estamos aqui e vamos dar o nosso máximo. Bom, André, mas te penso que dans ce parcours que tu vas faire, tu vas retourner au pays pour travailler ou tu vas rester ici en France? Oula, j'y ai déjà pensé. Alors, vu que du coup, après, si je deviens architecte, ouais, mon premier but, ce n'était pas de... oui, je voudrais aller travailler, retourner dans mon pays pour travailler, mais pas totalement. Pas totalement, ouais. En fait, tu es libre, ouais. Tu es libre. Oui, dans mes sens, pas totalement pourquoi. Je vais t'expliquer du sens que... Je vais commencer d'abord ici, ouais, parce que c'est normal, il faut acquérir l'expérience. Et quand même aussi, j'ai étudié ici et j'ai vécu ici pendant la majeure partie, donc voilà. Ça sera, on va dire, un retour à compte-gouttes. Pourquoi ? Parce que du coup, au pays, il y a leur manière de faire. Ouais. C'est pas parce que moi, j'ai étudié dans... J'ai aussi la manière de faire qui ne marche pas forcément avec la manière de faire française, qui est la même chose, par exemple, au Congo, tu vois, un peu. Du coup, ça veut dire que je travaillerai à moitié au pays. Ouais. Parce que pour acquérir leur manière de faire et aussi faire un pont entre ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici. Comme ça enrichit en fait, parce que du coup on en a besoin en fait. On a du sens qu'il y a des choses qui sont là-bas qui pourraient être utiles ici et vice versa. Donc je ferai ça plus la plupart du temps. Et après en ce qui concerne, ça c'est pour le travail, après en ce qui concerne vivre, ça encore c'est une autre question, mais je crois qu'au moins pour un moment j'irai au moins y vivre peut-être 3 ans et y revenir et après on verra si j'ai vraiment envie de m'installer là-bas. Olha, eu fiz uma pergunta ao André, ele achou muito engraçado. Perguntei se quando ele vai terminar o seu ensino superior, se vai voltar ao país para trabalhar e tudo mais. Deu graça, mas ele disse que ele vai voltar sim, mas não é na totalidade. Porque primeiramente ele vai trabalhar aqui para ter uma experiência e depois vai para o país também para ajudar a contribuição do seu país. Ok, André, je voulais faire une question aussi. Tu avais fait ton étude, comment dire, le bac, tu avais le bac où tu as vaincu ta vie au Congo, RDC, ou tu as fait les études de bac, tu as eu le bac ici en France? Alors, mes études, élémentaires, en gros, vraiment, la primaire et tout ça, c'était au niveau du Congo, de la RDC. Ouais. Et après, en ce qui concerne le collège, c'était ici, en France. Ouais. Et du coup, j'ai eu mon brevet des collèges ici en France. Et après, le lycée aussi ici en France, du coup. Ouais. Et j'ai eu mon baccalauréat ici aussi en France. Oh, génial. Donc, tu parles bien français. Ça te pose pas de problème. On va dire que oui, ça me pose pas de problème. Ouais. Encore, je parle le français, on va dire, courant, que tout le monde parle. Et après, quand tu changes des études à l'autre, quand par exemple on arrive là avec les cours en sciences humaines, ouais, il y a un certain vocabulaire aussi quand même qu'il faut rajouter dans son dictionnaire, oui, et dans sa manière de parler. Oui. Et c'est comme les gens qui font du droit ou tout ça, c'est encore un peu plus compliqué. Mais sinon, en vrai, ça va. Et en l'écrit aussi en français, je me débrouille, donc c'est bon. Ouais. Mais au Congo, tu connais bien le Congo, votre pays, tu connais bien, ou quand tu as sorti là quand tu étais petit?
tu as quitté le pays quand tu étais petit, non? Pas très petit, mais j'ai encore quelques souvenirs quand même, encore, oui. J'ai encore quelques souvenirs, je parlais français là-bas, je parle aussi lingala quand même, tu vois. Voilà, ça faisait partie de ce truc-là. Je sais encore parler lingala, je connais encore quelques traditions quand même. D'ailleurs, à la maison, avec ma mère, on parle lingala, parle encore du pays, et ainsi de suite. C'est pas quelque chose qui est effacé, en fait. Ça fait partie de... En gros, là, on va dire que et la France et le Congo en un seul même lieu. Surtout quand je suis à la maison, comme ma mère dit, quand je suis à l'intérieur de la maison, je suis plus au Congo. Et quand je suis à l'extérieur, là, je suis en France. Voilà. Mais en vrai, j'arrive à caler les deux et c'est très bien. La pregunta de Nodre, c'est si elle connaissait le Congo, parce qu'elle était là comme criança, elle dit que tem uma lembrança de son pays qui est RDC. Et en suma, elle dit aussi qu'elle parle lingala também. Et pronto, quand elle est na casa da mãe, elle dit: olha, aqui também é Congo, então nada de falar francês, só tem que falar lingala e tudo mais. Eu perguntei também nos ensinos. Ensinos que ele fez, ensino de base, ele disse que uma parte fez lá no Congo e outra parte fez cá e terminou o seu médio cá em França. Ok, André, eu vou saber encore, vous avez les amis angolais ici en France? Tu connais beaucoup des angolais ici en France? Ou tu as des amis angolais? Parce que tu vois, le RDC, c'est à côté de Angola, non? Oui, oui. Oui, je pense que vous avez des amis, le machin et tout ça ici, non? Alors, non, en vrai, des amis proches angolais, ouais. Non. Mais du sens que, en fait, j'ai des amis qui parlent portugais. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Du sens que, en fait, soit ils sont de Brazzaville, ou ils sont. Brazzaville, on parle pas. Portugais, non? Ah si, j'ai été étonné. Il parle français, mais il parle aussi portugais. J'ai été étonné. Oui, mais c'est la même région. Oui, oui, oui. J'ai, voilà. Oui, oui. Du sens que, en fait, ils sont ouais. plus congolais, du sens que ouais. leur père ouais. est congolais et la mère ou le père, voilà, un des deux, ouais, est ouais. Soit angolais, soit brazzavillois. Du coup, ouais. ça fait que du coup, les enfants, ils ont. Ils peuvent parler portugais comme moi. Là, je suis en France, je parle lingala, ainsi de suite. Du coup, voilà. Mais la plupart du temps, ils sont plus congolais, en fait, mais qui parlent portugais, quelques-uns. Ok. Eu perguntei nele se conhecia alguns amigos angolanos, porque o Congo faz fronteira com Angola e tudo mais. Ele disse que não tem muitos amigos próximos, mas ele conhece alguns angolanos cá. Ele disse também que Brazzaville, eu disse que Brazzaville não falava português, mas me lembrei que são países que fazem fronteira com Angola e tudo mais. Mas contudo, André, tu penses que les Angolais qui sont ici dans l'université, ils ont la capacité de vaincre ces parcours-là universitaires? Parce que là, on ne parle pas français. Quand ton avis, comment tu regardes les Angolais qui sont ici? Alors, je vais te prendre par exemple. Par exemple, parce que du coup, je connais pas beaucoup d'Angolais ici au niveau de l'université. Ouais. En vrai, si on s'y met beaucoup, s'ils s'y mettent vraiment, ouais. ils peuvent y arriver. Parce que c'est pas si. C'est en même temps, c'est compliqué, en même temps, non. En fait, le secret, c'est vraiment d'étudier. De prendre le temps de réviser ses cours et d'essayer de faire un effort au niveau de la langue. Ouais. Voilà. Et quand on ne comprend pas, vraiment, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Quand on ne comprend pas, d'essayer de. Pour-t-il, il faut faire quoi? Demander de l'aide quand on ne comprend pas. Ouais. Être sérieux dans les études, du ouais. sens que quand on a un truc, il faut le faire et puis voilà. Ouais. Quoi encore? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, comprendre, sérieux dans les études, faire l'effort aussi avec la langue, parce qu'il n'y a pas le choix vraiment, si je peux dire, et de toute façon, ça fait un enrichissement. Et après, avec ces conseils-là, je crois qu'on peut y arriver. Et aussi s'entourer des bonnes personnes, parce que, le but c'est de réussir et d'étudier, mais c'est pas tout. C'est les amis aussi, les connaissances aussi, ça ajoute un plus, et c'est toujours de la connaissance en plus qui pourrait servir, et puis voilà. Et moi, je crois en vrai qu'il pourrait réussir, parce que. Les Angolais ou toutes ces personnes qui parlent anglais, d'ailleurs, on va dire qu'on est à peu près dans... anglais. Vous parlez pas anglais? Oui, vous parlez pas anglais, mais
tous ces personnes qui ne parlent pas la langue française, qui arrivent étudier ici, eux aussi ont, on va dire, à peu près le même problème. C'est la compréhension de la langue, mais à part la compréhension de la langue, c'est tout à fait possible pour n'importe qui de pouvoir finir ce parcours et d'y arriver, tant qu'on y met les moyens. Ok, perguntando ao André que os angolanos estão aqui a estudar em Grenoble, na universidade, que não falam francês, se eles têm muita possibilidade de se sortir, quer dizer, que de se melhorarem, saírem bem na universidade, de vencerem. Ele disse que com esforço, dedicação e tudo mais, eles vão conseguir. Quer dizer que nós vamos conseguir, quer dizer que eu vou conseguir. Então, digo a ele obrigado, né, por remarque, porque ele é meu colega. André, Pour donner un conseil à la maison, les gens qui, ou les Angolais, bon, ou non, qui voulaient se former ici en université, quel est le conseil qu'il peut donner, qui ont hésité beaucoup pour venir s'inscrire, si venir pour faire son parcours universitaire, quelle est la motivation que tu peux laisser pour ce notre collègue-là, ce notre citoyen ou notre... bon. Voilà. Alors, en conseil, ce serait d'abord avant de venir, même si vous hésitez d'ailleurs. Non, qui sont déjà ici en France, qui sont ici en Grenoble, qui ne veulent pas, qui hésitent de venir étudier. Alors là, il n'y a pas hésité, parce que sérieusement, c'est un plus, ça aide en fait à avancer, et peu importe l'âge. Parce que ici, je me retrouve avec des personnes qui sont vieux que moi, de voire 40 ans des fois. Ah oui, oui. Oui, des fois, je suis là, ils reprennent ces études. En fait, c'est, voilà, prenez ce courage de venir étudier. Soyez courageux, c'est ça le truc, c'est d'être courageux de venir faire ses études, de reprendre même s'il le faut. Et si on ne sait toujours pas faire, et on ne sait toujours pas faire, on ne sait pas où on va, de réfléchir et de chercher et de se réorienter s'il le faut. Donc, il n'y a pas de souci vraiment. Le truc, ce serait de prendre courage. Et quand ça ne va pas, bah de chercher de demander de l'aide pour que ça aille mieux. Ok, pour nous donner nos adresses, pour les Angolans qui sont ici et non sont, et quel est le conseil que vous pouvez laisser pour eux qui ont envie d'étudier, mais n'ont pas le courage de chegar à l'université? Il dit qu'il y a le courage, il y a la motivation et tout mais que tem pessoas também com idade mais avançada que ele, tem pessoas que têm 40 anos e muito mais que estão aqui a estudar e nada é impossível, que podem vir se inscrever para seguirem vossa escolaridade, né? Quem quer seguir o seu parcours, como ele está a dizer. E estamos aqui. André, pour terminer, tu voulais dire quelque chose pour terminer que tu n'as pas, que je n'ai pas demandé? Je n'ai pas questionné, oui. J'ai rien à rajouter en vrai, parce que je crois qu'on a tout dit. Ouais. J'aurais limite envie de te poser toi des questions, mais on va dire que ça sera pour une autre fois. Autre fois, oui. Ouais, voilà. Sinon, moi, tout ce que je voudrais dire, c'est portez-vous bien. Ouais. Voilà. Si vous avez envie de venir étudier, venez. Ouais. Parce que c'est ouvert à tout le monde. En plus de ça, c'est entre guillemets gratuit, clairement, et soyez courageux de venir, et en plus de ça, venez aussi pour ceux qui sont en Angola plus particulièrement, ou autre part au Congo, ou autre, venez avec un but, venez en sachant qu'est-ce que vous voulez faire, parce que des fois, en fait, venir juste en se disant que parce que je viens étudier ici, ça va être plus valorisé, des fois non, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment ce côté, quand tu es dans un lieu, ça marche pas pareil. D'accord. Voilà, donc tu as besoin de connaître les deux côtés pour avancer. Donc ça pourrait être une richesse. Il y a aussi ce côté où venez aussi pour découvrir comment les gens, la mentalité, les gens y vivent et tout ça. Donc voilà, et en soi, faites-vous des amis, sortez de ce que vous avez l'habitude de faire un peu. Allez vraiment voir ce que vous ne connaissez pas, visiter, goûter, vraiment. C'est ça. Découvrez le maximum possible. Ouais. Et prenez du plaisir. D'accord. Ode, tu peux laisser salutation dans ton parent, maman, papa, les frères, qu'est-ce que tu veux? Alors, je vais dire bonjour à mes parents et merci aussi d'être toujours là parce que voilà. Quoi encore? À mes frères et à toute ma famille, du sens que ma famille, c'est pas juste les gens qui ont... Ils sont ici en Grenoble, au Congo aussi. Oui, voilà, c'est ça, qui sont ici au Congo et ma famille en tant que...
tous ceux qui sont proches de moi en fait. Pas que le lien de sang, mais mes amis et tout ça que je compte comme ma famille. Bonjour Sylvestre aussi d'ailleurs. Merci. Donc voilà, donc bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Ok, bah, nós aqui falamos com o Audrey, ele é meu colega aqui na Universidade de Grenoble, Ciências Humanas Aplicadas. Ele deixa aí cumprimentos para todos e ele encoraja também para você que quer estudar, que está aí fora, que não está cá em Grenoble, ou está lá em Angola, pode estudar, isso para você descobrir com a cultura aqui dos franceses e não também os conhecimentos e tudo mais. Bom, em suma, ficamos por aqui. Eu sou Silvestre Massala, estou aqui com o Dre e tivemos uma boa conversa. E deixamos por ali. Au revoir. Au จริงนั่งแดงมีนั่งแดงแล้วจะกินนั่งส้วงมีนั่งส้วงแล้วจะกินนั่งแดงมีนั่งแดงแล้วจะกินนั่งส้วงมีนั่งส้วงแล้วจะกินนั่งแดงเป็ดเหี้ยเนี่ยกูไม่ตลกเลยนะไอ้สัตว์ไอ้ยายักษ์สีเหลืองเยลโล่ฮันเน่ไวซะเลยเป่าอุ้งจริงเท่ากินไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่นป๊อกเก่งผงทั้งธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาตรงมาเป็นเอเย่งเจ๊กแม่เล้าโอนใหญ่แทบตายหัวใจจะวายคอออกซิเจนอาม่าหรือเรามานองพีกายโอ้ยไม่สบายขอบีโทเฟ่